Eh bien salut à tous les amis, c'est Creepy5, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui une nouvelle vidéo réaction sur les YouTube Poop avec Disney a perdu les pédales de Alexander 2012 Smile. Alors c'est parti pour la vidéo réaction YouTube Poop. Allez, ce live présente. Bonjour, bienvenue dans le Poutique RTL. Nicolas Sarkozy a vraiment changé. Ouais. Il est plus qu'avant. Ah oh, merde. Regardons la réalité. Travailler pendant les vacances, c'est puant. Lâche-moi les baskets. Where there's smoke. Basket. Ce sera un garçon. Oh. Un garçon très jeune. Il n'aura que. Ah, le voici. Regarde-le. Oh, you stone, Nespresso. Tu veux un café? Oui, s'il te plaît. Tu veux de l'eau chaude? Tu te démerdes? Connard. Je déteste qu'on m'appelle pour le soir. C'est pour ça que je suis le roi des célébrités. Nespresso. What else? What the fuck? C'est l'heure, le moment. C'est l'heure. Ok, il s'est rien passé. LOL. Un petit pour bug. Vous. Partager nos sublissimes Catherinettes et tourner manège. Notre Catherinette numéro 1 est une souffre douleur, persécutée, cloîtrée dans un royaume très très lointain. Elle aime trop soit la grecque. Sérieux? C'est Ruby, bien qu'elle habite avec cet homme, ça n'est pas une fille facile. Applaudissons, faucissons. Je vais choquer. Ah non, le mongol c'est toi. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi! C'est moi! C'est moi! C'est chiant, hein? Chiant, ouais. Je crois que j'oubliais un détail important, la cargaison, l'équipage, le cristal. Oh, oui! Falcon! Alors on va revoir la séquence ici, Didier. Enculé! Devant mon endroit. Je t'ai dit laisse, ton père de l'altitude. J'ai tout jeté, maintenant si quelqu'un veut sauter. Honneur aux dames. Oui. Aïe. Ils essaient de prendre votre oncle Dashen et de prendre son arrière-grand-père. Je vous navrerai de vous interrompre. What the fuck? C'est pas possible. Oh, bien sûr, voilà le problème. Il y a trop de grippins. Ah bon? Et alors? Et vous savez ce qu'on raconte? S'il y a trop de grippins, c'est un problème. Et alors? Et alors? Et alors ça veut dire... Et alors? La Catherinette numéro 2 est une princesse vivant au pays des Cap-Cap et des Bombi. Allez, tout le monde se lève pour Blanche-Fesse. Blanche-Fesse. On va attendre ici. Comme ça, ils nous verront. Quoi? Espérons-le. Ils s'arrêteront, hein, Shadow? Ils ne partiraient pas sans nous. Baissez-vous. Par mesure de précaution, je préfère m'aplatir. Moi aussi. Oh putain! Hashtag délire avec Creepy5. Pour le bonheur de toute la famille, retrouvez toute la collection des grands classiques Disney en VHS et DVD. Yo. L'enchantement des grandes aventures. De la merde. Le plaisir de sentir son cœur battre au rythme de la musique. Sentir son cul, ouais. La joie de vivre en famille, des instants magiques. À partager. La collection des grands classiques Disney est maintenant enrichie. Ah, c'était un problème, un vrai problème. Un vrai problème. Oh, mais voilà qui est plus tombé. La plus adorable des créatures à quatre. Pourquoi? On s'en branle. Pourquoi? C'est interdit. Ah ouais, c'est interdit. Super crossover. Hé! Hé, connard! Connard! Réveille-toi! Réveille-toi! Ah bah voilà! On est trop bêtes. Connard.
Ah, c'était vraiment un truc. C'est pas du tout un chat. Non, viens pas me voir en fait. Wow, tu ne rates jamais ta cible, Gaston. T'es le plus grand chasseur du monde. Le meilleur. Le plus con, soyez hein. Les bienvenus et joyeux Noël. Tu vas bien, Jack? Bien sûr. Oh, John. Pardonnez-moi. Pardonnez. Ne laissez aucune violence s'installer. Réagissez. Salopard. Fait peur. Écoutez un peu les viandos, car je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon, nope. À la façon de Stinky. C'est crado, il était un effroi dans un royaume digne d'un conte pour enfants, dont le nom et le lieu n'intéressent personne, une jeune viandos. Elle vivait donc dans ce royaume, son nom était Cendrillon. Outre-temps, son aspect qui n'était pas les plus désagréables, Cendrillon avait trois aspects qui jouaient en sa faveur. En premier, elle sentait très très mauvais des pieds. En deuxième, elle avait deux sœurs qui rôtaient à merveille. En troisième, elle avait une horrible et méchante belle-mère. Ah, bien sûr. La méchante. Et puis, on ne sait pas pourquoi, un jour, le prince de ce royaume décida de faire une fête. J'ai envie de faire une fête. Ils vécurent très heureux et ils eurent de nombreux enfants. C'est fini. Que veux-tu voir, ma reine? Ton cul. Miroir magique au mur. Qui a beauté parfaite? Moi. Va te faire foutre. C'est personne, hein? C'est votre marraine de mes couilles, hein? Célèbre ta beauté, majesté. Décris-la moi. Va te faire foutre. Oups, désolé. Excusez-moi. Excusez-moi, les amis. Je suis un petit peu délirant. Pas si fort, tu vas la réveiller. Pas d'inquiétude, majesté. Les bosses, c'est ma spécialité. T'aurais dû fermer ta gueule, mec. Que se passe-t-il? Tu n'as plus de langue? TG. Oh, dingo. Putain de pétrolée, j'arrive. Ah, oh, ça fait trop rire, franchement. Bambi Poufias. Dans ton cul. Je vais faire défoncer la rondelle par un type là. Quelle chanson magnifique. Merci. C'est ma mère qui me l'a apprise. Je suis comme toi. Tu es comme moi. Une belle histoire d'amour. Voilà. Ouais. I would say that rare people don't have souls, okay? Mais ne vous laissez pas refroidir, c'est une pin-up, oulala, elle boit la pina colada, secourable de suite, princesse lala. Mais si, vous prendrez quoi? Catherinette numéro 1, Catherinette numéro 2, ou Catherinette numéro 3? 3, prenez la numéro 3, Oui, numéro 4! Lord Farquaad. Vous avez choisi princesse. Ah! Et heureux pour toujours. C'est fini. Allez, soleil. Oui. J'adore les petits poupes. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Alors, excusez-moi si j'ai un petit peu trop déliré sur.
Fallait que je mette un petit peu d'ambiance avec les YouTube Poop. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Je vous dis à tous, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et surtout, passez tous de très bonnes vacances d'été. Je sais que l'année passe tellement vite, mais... On venait juste de commencer 2017 et voilà qu'on arrive déjà au mois de juillet. Non mais c'est pas vrai. Franchement, ça va se trop vite. Enfin bref, je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout de très bonnes vacances d'été. Ciao à tous et bonne journée.